bonsoir. Le pays était coupé en deux ce mercredi, avec du soleil au nord et des nuages au sud, des pluies qui faiblissent fort heureusement. On ne retrouvera que quelques gouttes pour ce jeudi matin vers le sud du massif central, avec pas mal de grisailles dans les régions de l'ouest. Au nord et à l'est, beaucoup de soleil que vous garderez l'après-midi, avec un ciel tout bleu dans le nord-est, un beau soleil aussi pour la Provence et puis pour les autres régions. Nuages et belles éclaircies alterneront, avec un risque orageux quand même qui se manifestera en direction du massif central. Pour les températures de ce jeudi matin, ça va rester globalement assez doux, avec certes seulement 3 degrés pour les Ardennes, mais déjà 11 à Paris et 13 pour La Rochelle. Et dans l'après-midi, est toujours une grande douceur, notamment dans le nord et l'est, avec souvent 23 ou 24 degrés. On aura 25 à Paris. Ça remonte aussi dans le sud, avec 21 degrés pour Agen et 21 aussi du côté de Marseille. Vendredi, des conditions très lumineuses, avec encore un beau soleil dans le nord-est et vers la Méditerranée. Ailleurs, quelques nuages vont bourgeonner en cours de journée, avec à nouveau un risque d'orage l'après-midi, essentiellement vers le massif central et vers les Pyrénées. Et il fera toujours excessivement doux, souvent entre 21 et 25 degrés. Pour l'après-midi, samedi, le soleil perdure, notamment au nord-est et vers la Méditerranée. Ailleurs, ça va quelque peu cumulifier en après-midi, avec une évolution orageuse qui est attendue dans l'ouest et dans le centre du pays. Des températures qui resteront très douces pour cette journée, souvent comprises l'après-midi entre 20 et 24 degrés. On gardera à peu près la même situation pour dimanche, avec un risque orageux cantonné au quart sud-ouest et aux régions alpines. Encore un franc soleil pour les régions du nord-est, un peu plus de nébulosité pour lundi, avec une évolution orageuse du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est. Il fera toujours très doux au nord comme au sud, et puis ça pourrait se gâter un peu plus nettement pour mardi et pour mercredi, avec une multiplication des averses, notamment dans le sud et l'est du pays. Et les températures devraient baisser, on aura l'occasion de vous en reparler. D'abord, ce soir, on prend la direction des Alpes de Haute-Provence, avec un très joli cliché pris ce matin, un ciel bien encombré sur l'arrière-pays provençal, où les températures étaient environ 8 degrés inférieures à celles relevées dans le nord-est de la France. Nous serons demain, le jeudi 23 avril, et nous fêterons la Saint-Georges. Excellente soirée à tous, merci pour votre fidélité et à demain.